Bonjour tout le monde, je m'excuse pas la dernière fois pour vous avoir laissé brutalement comme ça. J'ai eu un petit problème chez moi. Donc ça la mandra, j'ai bien en première position. Donc encore désolé et j'espère que je vais faire attention et que ça se reproduise pas. On a plus de repousse. Tiens, on a plus de repousse. Bon, Rekio est envoyé. On va retanker ça à coup de lance-flamme. On a Rekio au niveau 19 tranquillement. Ça résiste pas à un lance-flamme. Donc lance-flamme, encore une fois, on va bientôt plus avoir le PP à cette capacité, donc on va repasser dans un Pokémon. Donc là on est tranquille. Lance-flamme, Rekio et KO. Normalement sa montre devrait évoluer durant ce tour-ci. J'aurais pu tuer les Rekio avec griffe acier, j'aurais dû le faire. Bon, ça va. Là, ça monterait au niveau 36. On a déjà sa seconde évolution. Donc pour moi, j'ai l'impression que ça va très vite. On a déjà un Dracaufeu à ce stade du jeu, c'est un peu énorme. Mais si on se rappelle bien, sur Emerald aussi, on avait la fin de notre starter juste avant la quatrième arène, donc... Cruel... Ah mais... Vas-y quoi. Bon, je vais te faire oublier les griffes. Une attaque vol, ça servira à contrôler les Pokémon de du combat. On va faire un petit... Oh non, mais on va être... On sait plus. Ah, par contre, le dessin de Dracaufeu, il est moche. Hein. Bon, je suis perdu. Bon. Onyx est envoyé par Montagnard. Salamandre, go, très facile, tranquille. Et voilà, Onyx KO. On n'en parle plus. Salamandre qui est de type vol. Donc on va pas du tout craindre le type sol. Ce qui est bien. Par contre, le type roche. Le team rush, on prend cher. Hein. Heureusement que c'est un niveau 20, parce qu'un niveau 30, on aurait vite été ensevelis de pleurs, justement. Ok, est envoyé, ok, d'accord. Griffati. Voilà, tranquille, ok. C'est super efficace. Donc décidément il faut un truc contre les Pokémon électriques et les Pokémon de type roche. Maintenant que le type a changé, les Pokémon électriques sont un peu embêtants. Pokémon eau aussi, Pokémon roche, on a plein de faiblesses dans notre équipe. C'est la raison pour laquelle il faudra vite tout ça. On n'a pas trop de multi expérience, ça va être assez embêtant de faire du training comme ça. Résumé, j'espère que tu as une bonne attaque. Fouillade, vitesse. Excusez-moi, c'est encore chez moi. Il y en a qui peuvent pas s'empêcher de rire. Je ne sais pas si vous entendez.
Ah, quel mieux ton vanier. Ok, go, bref, facile, tranquille. C'est un monde, bon, c'est niveau 36, tranquille. Ça, c'est beaucoup moins tranquille, hein. C'est beaucoup moins tranquille, bon. Il y a de quoi flipper, là. Explosion de Gravel Ranch, c'est un 100 de... un 10 000 km. Explosion, c'est une attaque que je déteste particulièrement. Vous avez remarqué, hein. Là, on est tranquille. Je me demande si je prenais... J'hésite à faire ça. Parce qu'il sera sûrement pas très très rapide en fait. Faut juste qu'il soit plus rapide qu'un caillou. Bon, vous allez me dire plus rapide qu'un caillou, c'est pas très très difficile, mais bon. Là, on est obligé de switcher parce que si on n'est pas peureux, bon, ça va, il n'y a pas cruel à ce niveau-là du jeu, mais prudence et mère de sûreté, hein. Comme on dit. Voilà, donc Nick s'est envoyé. Ça fait tout ça comme dégâts. Onyx c'est KO, Racine tranquille. Mine de rien, ça monte bien le niveau. Bon, il est quand même. Bon, là ça fait x4. Mon polar mur tranquille. Plante normalement c'est spécial. Si je me trompe pas. Racine. Monte au niveau 13. Voilà, tranquille. On va accueillir au niveau 17. Du moment qu'ils font pas des explosions. Ou des séismes. Ou ça du coup. Oui, l'égalité de vitesse là qui peut piéger. Après le coup là je peux vous dire on a eu très très chaud. Sur le coup. Ok d'accord. Donc ça peut résister à un coup, oui. Bah on a même pas de super potion là. Bon bah Racine c'était juste histoire de te monter de quelques niveaux. Voilà tranquille. Que le singe. C'est le singe même. Que le singe on l'a pas encore vu. Que le singe c'est un gros singe. Un peu plus gros. Des petites brindilles derrière toi, comment ne pas perdre, laisser des petites brindilles derrière toi. Ah oui, comment ne pas te perdre. Je crois que t'avais pas compris vraiment ce qu'il voulait dire. Crène, on va tranquille. On voulait t'envoyer, vas-y cruel, chiant, cool, c'est marrant. Reviens plus tard. Et miaou. Miaou, ce qui peut être intéressant si les joues avec Jackpot. Si vous avez pas trop de sous. Après, c'est. C'est bon pour les radins, quoi. C'est intéressant.
Machoc. Voilà, cruel. Succès super efficace. Trop vieux le max. Bon, et puis le max. Pour l'instant, c'est pas trop nécessaire. Moins de niveau tranquillement. On a quand même 4 slots offensifs. Hein. Bon, 4 bons slots offensifs. On retire Flamèche, mais ça fait 3, voilà. Ah, je suis fort. Cette grotte qui est quand même beaucoup trop longue. Griffacier. Prochaine fois, je pense à acheter les super potions. Ok, c'est super efficace. Ok, il va décider de s'en aller. Ok, il va être envoyé. Ok, il va décider de s'en aller. Quel Pokémon va arriver ensuite et va repartir de même? Allez, non, moi je t'aime pas, toi. Je t'aime pas. Je t'aime vraiment pas. Hein. Oh, bah là, 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 là. Il t'a fait grave mal là. Sac, hyper potion, vas-y. Bon, bon. Pour l'instant, on est tranquille. Tiens, Pokédex, j'en veux un aussi. Bah, je sais pas, moi, t'as qu'à te l'acheter. Je te le vends pour 1 million d'yens. Franchement, c'est pas cher, c'est le... C'est le prix d'un vélo. C'est mon Gramas. Mon Gramas est de nouveau KO. 423 points d'expérience. Franchement, j'aime pas quand ils envoient 3 fois de suite le même Pokémon. C'est jamais très très intéressant quoi. On part tous de même. Fais le gaffe où tu mets les pieds. Bon, encore le sprite de texte rouge pour les filles et bleu pour les garçons. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis avec ça, mais c'est un délire comme les autres. Hein. Entre les racines qui t'attaquent les mélophées, je ne sais pas comment. Voilà, tranquille. Ça m'étonnerait qu'un mélophée tank lance-flamme, par contre, hein, l'euphorie, ça le tank dès loin, le lance-flamme. Du coup, il est envoyé, bon, Flamèche. Je vais pas user mes pp pour ça. C'est ça le monde, tranquille. Tata est envoyé. Flamèche, tranquille. Encore une fois. Ça le monde regagne 231 points d'expérience. Mine de rien, ça monte vite, hein. On est déjà au niveau 38, hein. Mine de rien. Donc, ouais, 38. Oh,
on crée un fond de type électrique, on crée un fond de type on crée un fond de type roche. Ou électrique roche, j'ai bien l'intention de mettre un Pokémon neuf. Tombe dans l'équipe pour remédier à ça. Bon, électrique, ça. Bon, électrique, j'aurai de quoi faire un petit truc. Bon, ça sera tranquille, roche. De même, les Pokémon roche, je crois, c'est. C'est très très peu varié. Hein. Trouve perle. Donc, je sais pas s'il y a Steelix dans la première génération. Je me rappelle qu'il est de type acier. Donc je pense qu'il a dû être atterrir qu'à partir de la deuxième génération. Et après, je sais pas trop, j'ai pas vraiment trop cherché la première génération. Mystère, et encore KO. Au moins ça change de Pokémon à chaque fois. C'est un Pokémon différent qui se fait battre par Flamish. Que critique. Ça c'est ça change de l'habitude. Les critiques ont une chance sur 8 d'apparaître, je vous rappelle. Chance sur 8 qui peut être boostée selon selon puissance ou selon les capacités chanceux ou autre. L'Avandia, tranquille. Mettre ce qui t'a envoyé. Cosmétique. Bon. Il y en a un sur 8, donc ça m'étonne pas qu'il y en ait de temps en temps, quoi. Cette randonnée m'a épuisé. D'accord. Cool est envoyé par Picnic Carl. Carl, c'est un nom marrant ça. Oh cool, et KO. Ça a un moment qui m'avait 247 points d'expérience. Oh, oups. Le lance-flamme. Hein. Tranquille. Donc là on y va, pas de problème. La grotte qui était vachement longue quand même. Bon, comme la grotte était longue, je vais vous laisser là. Donc je vous dis merci d'avoir regardé l'épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, regarder les autres vidéos. Surtout merci et à la prochaine et bye.